L'objectif de cette troisième partie est de voir comment on peut gérer l'arrière-plan d'une affiche et l'export en PDF dans Scribus. Alors, il me reste à m'occuper du fond de mon affiche. Donc ça, pour faire ça, je vous conseille de réaliser un calque. Alors, les calques, c'est dans Fenêtre, Calque, tout simplement. Donc j'ai un calque qui s'appelle Fond de page, où j'ai mis tous mes éléments. Je vais créer un deuxième calque, je vais appeler fond, et puis je vais le faire descendre en dessous du précédent. Le fond de page, je vais l'appeler texte et image, puisque c'est ce que j'ai mis dessus. Et puis je vais verrouiller ce calque. Donc maintenant, je ne peux plus attraper ces zones-là. Je vais me mettre sur le fond et je vais pouvoir gérer l'arrière-plan. Ça, c'est très pratique parce que souvent on a du mal à attraper l'arrière-plan quand il y a trop d'éléments qui sont disposés dessus. Donc comment je vais faire? Je vais dessiner un rectangle, mais je pourrais dessiner une zone d'image par exemple si j'ai décidé de faire une affiche sur une image. Donc là, je vais choisir une forme rectangle, je vais la dessiner ici. Cette forme rectangle, je peux gérer la couleur de fond ici. Bon, par exemple, on va mettre un gris. Je peux gérer une couleur de cadre. Je vais prendre le rouge. Je peux gérer la taille de ce cadre ici. Alors, on peut zoomer pour mieux voir ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas mettre trop grand non plus. Peut-être 6, c'est un peu beaucoup. Et puis, on peut, dans forme, arrondir les angles. Alors je peux faire un petit effet d'ombré en dupliquant cet élément là. Donc je sélectionne, je fais CTRL D. Ensuite, cet élément là dans bouton droit, disposition, je le mets tout en bas. Et on va, admettons, le remplir de rouge. On va lui faire un contour noir. Et on va le remplir de rouge. Alors là, vous voyez, par contre, ça n'est plus dans ma page. Donc il va falloir que je rectifie le tir. Il me reste aussi à mettre les copyrights. Donc pour faire ça, je vais prendre cet élément-là. Donc il faut que je verrouille le fond et que je rouvre mes textes et images. Donc là, je vais faire CTRL D. Et puis, je vais changer ce texte-là pour y mettre mon texte-là. Donc, par exemple, si je veux mettre le petit C de copyright, je vais dans Insérer, Caractère, Symbole copyright. Je vais mettre Photo. C'est pixabay.com. Alors, je pourrais aussi mettre qui a réalisé l'affiche, ce genre de choses. Ensuite, ce texte là n'a pas besoin d'être aligné centré, hein. Et je dois le faire tourner à 90 degrés. Donc ça, c'est dans XYZ. Je vais tourner par rapport au coin supérieur gauche. Donc là, ça va, j'ai pas besoin de changer l'axe de rotation. Et puis je vais dire que je veux le tourner de 90 degrés. Je fais entrer. Peut-être on peut le mettre en un peu plus petit. Je vais diminuer. Je vais venir le positionner comme ça sur le côté. Donc j'enregistre mon travail. Et puis il me reste à exporter ça en PDF. Donc ça se passe par ici. Donc quand on lance l'export PDF, il commence par nous demander de vérifier un certain nombre d'éléments. Donc là, il y a des objets qui ont de la transparence. Ça, c'est quand j'ai inséré mes objets vectoriels. Donc là, c'est pas très grave, on va pouvoir faire ignorer les erreurs. Si jamais vous avez des problèmes de résolution d'image, par contre, il faut y prêter attention, parce que si la résolution est trop faible, votre affiche après, elle sera floue quand vous allez l'imprimer. Donc il faudra faire attention. Je fais ignorer les erreurs. Ici, je pourrais choisir une résolution maximale des images à 300 ppp. Moi, je vais pas le faire, hein, puisque les images que j'ai utilisées avaient une bonne résolution au départ, donc je vais les laisser telles quelles. Par contre, je vais bien tout incorporer et tout vectoriser. Ça permet d'avoir une affiche qui s'ouvrira
correctement sur tous les ordinateurs, même si les polices impact et lato ne sont pas installées sur l'ordinateur qui sert à visualiser la fiche. On pourrait aussi, dans le visualiseur, choisir un mode d'affichage. Moi aussi, comme c'est une affiche, c'est un peu simple. Mais si c'était un dépliant, je pourrais lui dire de quel côté se trouve la première page, par exemple. Dans couleur, je pourrais aussi choisir une sortie imprimante. Donc là, moi, je vais rester sur écran web. Mais c'est quand même assez pratique, parce que dans sortie imprimante, après, vous pouvez choisir de passer en quadrichromie, c'est-à-dire cyan, magenta, jaune et noir. Une fois que tout ça est paramétré, j'enregistre. Donc ça va se mettre au même endroit que mon affiche. Et puis après, je peux aller regarder ce que ça donne ici. Et voilà!